Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de l'incomparable grand Seigneur Jésus-Christ. Merci à tous les frères et toutes les sœurs qui aiment l'évangile de Christ et reviennent à nous afin que nous puissions donner parfois notre avis par rapport aux Saintes Écritures. Bon, mais bien-aimés, vraiment, il faut comprendre que l'Église est infiltrée. Il y a beaucoup de choses que nous voyons dans l'Église qui ne correspondent pas à la saine doctrine. Il y a plusieurs choses qui ne correspondent pas à l'évangile des apôtres, à l'évolution du ministère des apôtres avant les 14 années et après les 14 années. Comme nous le disons toujours, que les apôtres avant les 14 années et après les 14 années à partir du frère Paul, nous comprenons qu'il y a eu un changement par rapport à leur connaissance. Mes frères, vous savez, c'est parfois bizarre, nous, quand nous venons ici dire parfois des choses, bon, tout le monde n'est pas obligé hein, de comprendre comme nous. Bon, nous le disons toujours que vous n'êtes pas obligé, hein. Vous n'êtes pas obligé de voir les choses comme nous. Vous n'êtes pas obligé de comprendre la Bible comme nous, la doctrine du Seigneur comme nous, les apôtres comme nous. Mais quand même, nous aussi, nous sommes convaincus d'avoir le Saint-Esprit. C'est ce que le frère Paul a dit. Moi, je crois, mes frères, que cette doctrine de faire tomber les gens dans l'Église ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu, mes frères. Ça, ce sont des théâtres. Ça, ce sont des théâtres. Ça ne vient pas de Dieu. Parce que ça n'a pas de sens, frère, que une personne qui est soi-disant à l'onction des dieux, et il va commencer à faire tomber tout le monde. Tout le monde doit tomber. Quand il lève les mains, quand il lève son costume, moi je ne sais pas comment il lève sa pochette, tout le monde doit tomber. Mes frères, aujourd'hui dans l'Église, il y a plusieurs mauvaises pratiques. Très important. Parce que c'est quand même bizarre. Il y a des choses que nous aussi, nous devons examiner. Examinons les choses, mes frères. Mais comment ça se fait-il que dans ces églises, là où les gens tombent, mais la majorité des personnes qui tombent, ce sont des personnes de basse classe. Vous ne constatez pas ça? Ce sont des personnes de basse classe. Mes frères, moi, je crois à la délivrance. Je crois à ça. Nous croyons à la délivrance. Nous croyons à l'onction des dieux. Nous croyons à la guérison. Mais sauf que ce qui se passe dans plusieurs églises, c'est un abus de pouvoir spirituel. C'est-à-dire que il y a d'autres onctions qui ne viennent pas de Dieu. Non. Le diable aussi a une onction satanique, diabolique, luciférienne, kabbalistique, qui est dans l'église. Voilà pourquoi on a toujours condamné cette pratique de l'huile d'onction à tout le monde. Parce qu'il y a aussi des pratiques mystiques derrière toutes ces choses. Mais frère, regardez, dans ces églises-là, là où on touche quelqu'un sur la tête, pouf, la personne va tomber. On te fait comme ça, la personne va tomber. Mais moi, en fait, moi, je me demande parfois, dans vos églises, là où vous tombez tout le monde, c'est comme si vous étiez dans un dojo de boxe. C'est comme si vous étiez des boxeurs ou des catcheurs. Vous tombez, vous vous levez, vous tombez. Donc, c'est comme si on est dans un ring de boxe ou de catch. Mais mes frères, moi, je me demande parfois, mais pourquoi dans ces églises, là où les gens tombent, mais pourquoi il y a seulement des personnes de classes sociales basses, classe moyenne? Il y a aussi des députés qui vont dans vos églises, non? Les députés vont dans vos églises.
Les femmes des députés vont dans vos églises. Pourquoi les femmes des députés ne tombent pas? Il y a aussi les femmes des ministres qui vont dans vos églises, là. Il y a même les présidents de la République. On voit dans vos églises beaucoup de fois le président de la République, sa femme et ses enfants qui vont dans vos églises. Pourquoi la femme du président ne tombe pas? Les enfants du président ne tombent pas, pourquoi? Même lui-même, le président. Vous comprenez que ce sont des théâtres que vous faites. Nous comprenons déjà que vous êtes des comédiens spirituels. Vous faites de la comédie. Pourquoi le président ne tombe pas? Alors que vous êtes là, vous entourez le président. Il y a plusieurs présidents de plusieurs pays qui ont des prophètes. Et si vous êtes soi-disant des prophètes, moi je ne sais pas comment est-ce qu'on vous appelle là, vous avez l'onction des dieux. Si réellement vous avez l'onction. Mais vous priez aussi pour le président de la République, non? Pourquoi Tshisekedi ne tombe pas? Alors qu'il est aussi président de la République, il est dans les sciences occultes, ce sont des personnes qui ne vivent pas dans la sanctification. Il ne tombe pas, pourquoi? Si vous voulez que nous puissions croire à votre onction-là, faites tomber le président de la République. Qu'il tombe. Que le président de la République aussi tombe, il commence à s'embourber. Commence à traîner par terre. Il y a des démons dans les présidents que vous avez là en Afrique, là. Ils sont remplis de lota, des sciences occultes, franc-maçonnerie. Ils sont dans les pratiques ténébreuses. Pourquoi ils ne tombent pas? Faites tomber les présidents des républiques, là. Ils ne tombent pas, pourquoi? Vous voyez que ce sont des comédies? Comment est-ce qu'il n'y a que les femmes, lota, des basses classes qui tombent? Il n'y a que des hommes vulgaires qui tombent. Et les personnes riches ne tombent pas. Faites tomber le président. Faites-le tomber. Il faut que le président s'y tombe. C'est alors que nous dirons que réellement, vous avez l'onction des dieux. Comment est-ce que le président ne tombe pas? Donc, on comprend que votre onction-là, c'est seulement pour la comédie. Faites tomber le président. Vous êtes beaucoup là, plusieurs prophètes. Vous entourez le président. Vous lui imposez les mains. Vous priez pour le président. Mais le président ne tombe pas, pourquoi? Faites-le aussi tomber. Faites tomber le président, qu'il tombe par terre. Qu'il commence à crier. Que les démons qui sont dans le président commencent à parler. Parce que chez vous, maintenant, c'est comme ça aujourd'hui. Vous imposez les mains sur quelqu'un, les démons commencent à parler. Et vous donnez le micro aux démons. Qui es-tu? Moi, je suis le démon des eaux. Qu'est-ce que tu es venu faire? Moi, je suis venu ici parce que j'ai une mission. Quelle est ta mission? Qui t'a envoyé? C'est carrément des causeries intimes avec les démons dans l'église. Donnez aussi le président le micro. Il doit avoir les démons. Vous comprenez que ce sont des théâtres que vous faites dans l'église? Et surtout, nous, en Afrique, qui ne sait pas que les présidents africains sont des voleurs? Qui ne sait pas ça? Les présidents africains, ce sont des voleurs. Ils vivent dans l'impudicité. Ce sont des adultères, ils sont dans le fétichisme, ils sont beaucoup de choses. Mais donc pourquoi les démons là ne sortent pas? Quand vous priez pour le président, pourquoi les démons là ne sortent pas? Les démons de l'assassinat, les démons de vol, les démons de la tuerie, les démons de l'impudicité, les démons de l'escroquerie, les démons de la fraude. Ils ont beaucoup de démons là-bas. Pourquoi ces démons là ne sortent pas? On vous voit dans vos églises, vous faites des délivrances et vous prenez le micro, vous donnez aux démons de parler. Moi, je suis le démon de l'impudicité. Moi, je suis le démon de la pornographie. Je suis venu dans la personne et je vais sortir. Sors, sors, hein, je sors déjà, je sors, je sors. Mais les présidents de la République, ils ont beaucoup de démons aussi. Ils ont beaucoup de démons. Ils sont toujours là au pouvoir pendant plus de 20 ans, 15 ans, 30 ans. Ça, c'est aussi le démon de l'égoïsme, non? Pourquoi le démon de l'égoïsme, là, ne sort pas? Vous falsifiez même les votes. Oh, nous avons les votes, falsification. Pourquoi ces démons-là ne sortent pas? Les démons de falsification. Ils ont beaucoup de démons. Ils sont dans les sciences occultes. Les démons-là ne sortent pas. Pourquoi? Pour les présidents. Pourquoi les démons des présidents-là ne sortent pas?
Il a seulement les demandes de nos parents, nous qui sommes pauvres. Nos mamans qui sont pauvres, c'est seulement leurs demandes qui sortent. Mais frère, ça, ce sont des comédies. Vous êtes des comédiens. Aujourd'hui, dans les églises, c'est ce qui se passe. Dans les églises, on parle maintenant avec les démons. Alors vous allez dire que non, frère Armando, mais Jésus aussi parlait avec les démons quand il avait envoyé les démons là dans le pourceau. Oh, mais est-ce que c'était dans l'église ou c'était à l'extérieur? Et Jésus l'a fait combien de fois? C'est ça la question à vous poser. Quand Jésus s'est rencontré avec l'homme qui était dans le sépulcre là. Jésus a parlé avec les démons combien de fois? Et c'était où? Est-ce que c'était dans une assemblée ou c'était à l'extérieur? Pour vous, ça devient maintenant comme une doctrine. Chaque fois quand on chasse les démons, il faut donner le micro aux démons. Les démons aussi commencent à parler. Mais frère, vos doctrines là, vraiment, moi, j'ai des doutes, hein, en ça. Nous, vraiment, qui sommes renouvelés, nous ne croyons pas à toutes ces choses-là. On ne croit même pas à ça. Vous parlez avec les démons. Mais vous faites aussi des prières aux hommes riches. Pourquoi vous ne donnez pas aussi à l'autre là, au président Tshisekedi, le micro, qu'il parle aussi avec ces démons-là. Parle aussi avec ces démons, parce qu'ils ont beaucoup de démons. Les démons des tricheries aux élections présidentielles. Ce sont les démons donc, qui font ça, les tricheries là qu'ils font là-bas, dans les élections présidentielles. Il y a trop de tricheries là-bas. Les démons de la haine contre les opposants. Les démons de la jalousie contre les opposants, les démons des assassinats, il y a beaucoup de choses là-bas. Le démon de l'autre détournement du trésor public. Comment est-ce que vous priez pour quelqu'un, mais alors que ce sont des personnes-là qui sont dans les détournements du trésor public? Mais frère, vous vraiment, ce que vous faites là, ça ne correspond pas à la Bible, hein? Si réellement vous voulez que ces hommes riches, ces hommes politiques connaissent la parole, la première des choses, c'est de les amener à la repentance. C'est de les prêcher la repentance. Ils doivent se repentir. Mais vous priez pour quelqu'un qui a triché aux élections. Qu'est-ce que vous faites? Vous priez pour les personnes qui détournent l'argent de tout un pays. Pourquoi ces démons-là aussi ne sortent pas? Les démons de l'autre, des détournements du trésor public. Ça, ce sont des théâtres, mes frères. Ça, ce sont des théâtres que vous faites là. Aujourd'hui, il y a maintenant beaucoup de présidents qui ont leur. Pardon, un pasteur qui. Pardon, un président qui a ses pasteurs. Un président, mais il a ses pasteurs. Mais que disent ces pasteurs à ces présidents? Un président qui a ses prophètes. Mais qu'est-ce que vous dites à ces pasteurs-là? Alors qu'ils sont dans les sciences occultes, dans la méchanceté, dans beaucoup de choses. Mais donc vous, comme vous êtes tellement ignorant, vous allez dire, mais frère Armando, tu n'as pas vu aussi en Israël, les rois avaient les prophètes partaient au roi. Mes frères, mais comment est-ce que vous confondez le temps de la loi et le temps de la grâce? En Israël, et qui mettait le roi en place? C'est Dieu lui-même qui choisissait le roi. C'est Dieu qui donnait les prophéties par les prophètes. Et le prophète prophétisait qui allait être roi. Il fallait oindre le roi en Israël. Il fallait oindre le roi, bien que Saoul était la demande du peuple. Mais le roi en Israël était oint par le Seigneur, par l'intermédiaire des prophètes. Il fallait qu'un prophète puisse oindre quelqu'un avant d'être roi. Bon, maintenant, aujourd'hui, vous, est-ce qu'en Russie, Vladimir Poutine, c'est Dieu qui l'a oint? Vladimir Poutine, c'est Dieu qui l'a mis là-bas. Est-ce que c'est Dieu qui a choisi Vladimir Poutine pour être président là-bas? C'est Dieu qui a choisi Joe Biden pour être président des États-Unis? C'est Dieu qui l'a choisi? Est-ce que c'est Dieu qui a choisi le président Sassou Nguesso pour être là-bas à Brazza? C'est Dieu qui a choisi João Lourenço pour être en Angola? Vous ne voyez même pas que le système est différent avec le système de la loi. Un président qui est assassin, un président qui sort dans les choses bizarres, mafia, détournement, et tricherie aux élections présidentielles. Et vous avez là des prophètes, des soi-disant faux prophètes, qui viennent là-bas imposer les mains. Pourquoi ce président-là ne tombe pas? Oh non, frère Armando, moi je suis le prophète intercontinental.
Moi, je suis le prophète du globe terrestre. Moi, je suis le prophète des nations. Moi, je suis le prophète de la planète. Mes frères, vraiment, vous, ce que vous êtes venus faire dans l'église, là, ce sont des comédies, hein? Hein, vous êtes des comédiens spirituels, franchement. Ça, c'est vraiment des théâtres que vous faites, des théâtres. Les présidents qui sont dans la politique, moi, je ne sais pas, consorts, ils ne tombent pas dans vos églises, pourquoi? Est-ce que vous avez déjà vu dans ces églises-là une femme qui est députée ou ministre tomber dans l'église, dans les églises? Les femmes d'affaires qui vont dans vos églises, les femmes des millionnaires, les femmes de ceux qui ont beaucoup d'argent, qui vont dans vos églises, elles ne tombent pas. Pourquoi? Il n'y a que nos mamans qui tombent, hein, nos sœurs qui tombent, ceux qui vendent au marché les légumes, les tomates. Les vendeuses ambulantes qui sillonnent dans toutes les rues avec les pains sur la tête, c'est elles qui tombent dans les églises. Mais pourquoi il y a seulement les femmes pauvres qui tombent dans les églises? Les femmes riches ne tombent pas, pourquoi? Je vous pose en fait ces questions, mes frères, parce que je ne vous comprends pas. Même ici aux États-Unis, Donald Trump, il a aussi les prophètes. Les prophètes vont prier pour Donald Trump, on lui impose des mains sur la tête. Mais je n'ai jamais vu Donald Trump tomber sur la terre. Je n'ai jamais vu ça. Pourquoi Donald Trump ne tombe pas? Alors que, vérifiez même dans les réseaux sociaux, vous allez voir ça. Donald Trump, il a toujours beaucoup de prophètes autour de lui qui lui imposent les mains, qui prient pour lui, Donald Trump. Mais Donald Trump ne tombe jamais. Comment est-ce que vous priez pour Donald Trump, il ne tombe pas? Mais vous venez prier dans vos églises, c'est tout le monde qui tombe. Je ne comprends pas ça. Donc Donald Trump a un Saint-Esprit élevé plus que les autres. Vous priez pour les stars mondaines. On vous voit ici. Vous priez pour des stars qui vont dans vos églises. R. Kelly, les Beyoncé, les moi je ne sais pas quoi. Là. Beaucoup de stars américaines là qui vont dans vos églises prier là-bas. Ces stars-là ne tombent pas. Alors que ce sont ces stars qui sont dans les sciences occultes. Ces stars-là sont dans la franc-maçonnerie, l'Illuminati. Ils sont dans les loges sataniques. Mais ils ne tombent pas. Elles ne tombent pas. Mais pourquoi seulement ce sont les pauvres mamans qui vendent du pain au marché qui tombent? Mes frères, vos églises-là, là où on fait tomber les gens, ce sont des théâtres, hein? Eh mes frères, ça ce sont les théâtres de Louis de Funès, ce que vous voyez là-bas. Les théâtres de Louis de Funès et de Ngadia Dia, les théâtres de Jean-Michel Cancan, c'est ce qui se passe là-bas. Comment ça se fait-il que votre onction ne fonctionne que sur les familles pauvres? Je n'ai jamais compris ça. Donc nous les pauvres qui vont dans vos églises, ils tombent. Les pauvres tombent dans vos églises. Mais il y a aussi les ministres qui vont là-bas. Les hommes d'affaires vont là-bas. Ils ne tombent pas, c'est seulement les pauvres qui tombent. Pourquoi les ministres ne tombent pas? Eh mes frères, ça ce sont des cirques, ce que vous avez là. Comment ça se fait qu'il y ait une seule personne qui va commencer à faire tomber toute l'église? Tout le monde va commencer à tomber. Donc, c'est une église des païens. Vous êtes tous des païens. Il n'y a que lui qui a l'onction. Mais en plus, ça, c'est quelle onction? Est-ce que l'onction de Dieu travaille comme ça? L'onction de Dieu travaille comme ça. Ça, c'est que l'église, tu vas à l'église, c'est comme si tu es parti faire les entraînements de la boxe. C'est comme si tu es parti dans une salle de gymnastique et tu rentres à la maison avec des courbatures. Ça, c'est quoi ça? C'est ça que vous appelez les églises. Quelqu'un quitte sa maison, va prier, tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves et tu reviens à la maison avec des courbatures. Ça, ce ne sont pas des églises. Mes frères, nous sommes au temps de la grâce. Nous avons les ministres qui enseignent la Bible. Nous avons le Saint-Esprit, mes frères. Conformez-vous au Saint-Esprit. Conformez-vous au Seigneur.
afin qu'il puisse vous diriger, vous orienter. Parce que ces églises que vous partez là, ça ne correspond pas. Comment se fait-il qu'un, soi-disant, un pasteur qui va entrer dans l'autre là, dans le temple, et vous vous agenouillez. Vous tous, vous vous agenouillez. Donc, il faut que tout le monde dort par terre. Parce que l'homme, soi-disant, l'homme de Dieu est entré. Mais frère, mais est-ce que ça, ce sont des églises? Donc, c'est comme si vous êtes encore dans l'esclavage. Ça, c'est l'esclavage spirituel, mais qui se manifeste dans la chair. Vous êtes encore des esclaves des hommes. Je vous l'ai toujours dit ici, il ne faut jamais être fanatique de quelqu'un. Il ne faut jamais être fanatique d'une personne périssable. Jamais. Toi, sois disciple de Christ. Sois fanatique de Christ. Sois attaché à Christ, pas à une personne mortelle, pas à un homme périssable, mortel, faillible. Attache-toi à Christ. C'est Christ qui te donne la vie. Parce que Christ ne faillit jamais. Jamais, frère. Le Seigneur ne rate jamais. Mais les personnes de la terre, ils peuvent ou elles peuvent faillir. Ce sont des humains. Comment est-ce que vous allez vous prosterner devant un humain? Un humain, vous vous prosternez devant lui. Nous sommes frères et sœurs. C'est fini. Mes frères, moi je suis votre frère. Je suis votre frère. C'est parce que le Seigneur m'a seulement établi. Le Seigneur a seulement établi les ministres. Mais nous sommes des frères. Voilà pourquoi vous venez là avec le révérend. Oh non, frère Armando, c'est le révérend pasteur. Oh, mais frère, mais est-ce que dans la saine doctrine, nous avons des révérends? Est-ce que nous avons des révérends dans la saine doctrine? Mais il n'y a pas de révérends. Dans la saine doctrine, nous avons cinq ministères. Ces ministères de la parole. Les cinq ministères de la parole. Apôtre, docteur, prophète, évangéliste et pasteur. Cinq ministères. Il n'y a pas de révérend. Oh non, révérend. C'est comme si une fois là, j'ai essayé d'envoyer un message à un bien-aimé qui est ici aux États-Unis. Je l'envoie, salut pasteur, comment vous allez? Il me répond, non, c'est le révérend. Je dis, non, jamais. Quel révérend? Révérend quoi? Mais frère, vous avez même des problèmes de comprendre révé. Qu'est-ce que signifie révérend? Hein, frère, qu'est-ce que signifie révérend? Un révérend ou une révérende signifie une personne qui mérite un respect excessif, une considération exorbitante. C'est-à-dire que dès qu'on voit cette personne-là, il faut tomber par terre. Et il faut même commencer de trembler. C'est comme un roi. Vous voyez un roi, vous qui vivez là-bas en Angleterre, un roi est un révérend. Le roi est un révérend. C'est comme en Afrique, le président de la République. Bon, bien que chez nous ici, ce n'est pas la même chose. En Afrique, un président de la République. Ça, ce sont les révérends. C'est-à-dire que des personnes, dès que tu le vois, hein, tu dois rester là. Attention, il arrive, voilà. Ça, ce sont des révérends. Quand tu es en train de marcher, ou soit quand tu es en train de circuler avec ta voiture, un cortège présidentiel arrive derrière toi. Un cortège royal arrive derrière toi. Tu dois laisser la route. Tu dois quitter afin que le cortège passe. Parce que c'est le révérend qui passe là-bas. Donc, pour nous, dans la saine doctrine,
La révérence appartient au Seigneur. Dans les choses de Dieu, la révérence appartient à Christ seul, parce qu'il n'y a que Christ qui mérite un respect profond. C'est lui, Christ, qui mérite la révérence concernant les choses de l'esprit. Parce que quand nous prenons Philippiens chapitre 2, le verset 10 et 11, la Bible dira ainsi: afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Donc, il mérite la révérence. Que toute la nature s'agenouille, se prosterne uniquement devant Christ. Parce que c'est lui qui mérite un respect profond, une considération exorbitante. Donc, tous ceux qui sont dans les cieux, sur la terre et sous la terre, doivent se prosterner uniquement devant Christ. C'est ça la révérence. Parce qu'il mérite cette révérence-là. Et non à une personne physique, une personne charnelle, périssable. Non. La référence est attribuée uniquement à Christ parce que c'est la majesté suprême qui domine sur toutes les vies. Il n'y a que Jésus-Christ et pas un homme mortel. Nous, chrétiens, nous n'avons pas de révérence. Qui que tu sois, tu es un frère. Qui que tu sois, tu es frère ou tu es sœur. Si tu es docteur, on t'appelle docteur, mais tu es frère. Tu es pasteur, on t'appelle pasteur, mais quand même tu es frère. Prophète, prophète, mais quand même tu es frère. Évangéliste, apôtre, on va t'appeler par ton ministère, ça c'est vrai. Le pasteur Binel Kinanga, c'est un pasteur, mais c'est mon frère. Le prophète XY, oui, il est prophète, mais c'est mon frère. Apôtre XY, oui, on t'appelle apôtre parce que c'est ton ministère, mais tu es frère. Frère X, sœur Y, c'est ça. C'est ça pour nous les chrétiens. Docteur Armando, oui, c'est mon ministère que Dieu m'a donné. C'est tout à fait normal que vous m'appelez par mon ministère. Parce que Dieu m'a appelé pour le ministère doctoral. Mais je suis frère. C'est comme ça, frère. Il n'y a pas de révérend. Révérend, on doit s'agenouiller. Non. Quel révérend? Vous ajoutez même général. Vous les appelez maintenant général. Un général. Oh, mais frère, donc vous-même, vous venez avec des titres. Parce qu'il ne faut pas confondre, mes frères. Il y a le don et le titre. Beaucoup de gens confondent ça. Beaucoup de gens confondent ça. Le don et le titre. Bien-aimés, dans la logique des choses, il y a une grande différence entre un titre et un don. Je crois que je vais en parler dans une vidéo, hein, afin que vous puissiez mieux me saisir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent ça. Il y a une différence entre un titre et un don. Ou soit un don et un titre. Le don, c'est quoi? Le don, c'est la capacité spirituelle que Dieu te donne. Ce qui passe par la vocation. Et cette compétence spirituelle, cette capacité spirituelle que nous pouvons aussi appeler par une grâce que Dieu te donne, c'est depuis l'éternité. C'est depuis l'éternité que nous sommes ministres. On ne devient pas pasteur par les hommes, ni apôtre, prophète, docteur, évangéliste. C'est depuis l'éternité que nous les sommes. Et quand nous venons ici sur la terre,
On passe par le ventre de la maman. Voilà pourquoi la Bible confirme ça. Vous avez plusieurs versets bibliques. Jérémie, vous avez ça, 1, 4, 5. Je t'avais déjà consacré. Ça, c'est le don ministériel. Dieu te consacre depuis le ventre de la maman. En d'autres termes, depuis l'éternité, que tu reçois ces dons-là. C'est un don. Être pasteur, prophète, évangéliste, docteur, apôtre, c'est un don ministériel. Ce don-là est donné par le Seigneur, par lui-même le Seigneur. Ça, c'est le don. Malheureusement, aujourd'hui, les gens prennent ça dans... Vous faites maintenant... Bon, moi, je suis ici en train de parler des choses comme elles sont, pas ce qui se passe dans la tricherie aujourd'hui. Vous trichez maintenant ça dans vos églises. Tricherie. Mais en réalité, c'est Dieu qui les donne. C'est depuis l'éternité. Donc, ce n'est pas un titre. C'est depuis l'éternité. C'est un don depuis l'éternité. Le titre, c'est quoi? Le titre, c'est un mérite. C'est un mérite. C'est un honneur. Une récompense de gloire. Une qualification de valeur que la personne reçoit ici sur la terre après avoir effectué quelques compétences, après avoir manifesté quelques habiletés. Et on t'attribue un titre. Ça, c'est le titre. Mais être apôtre, évangéliste, prophète, pasteur et docteur, ce ne sont pas des titres en réalité, dans la réalité des choses. Ce ne sont pas des honneurs. Voilà, parce qu'un titre est là pour un honneur, pour les honneurs. Mais un ministre n'est pas là pour les honneurs. Il faut comprendre ça, mes frères. Regardez, je vais lire le frère Paul. Le frère Paul va dire dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 16, il va dire ainsi. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Regardez, un sujet de gloire. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Un sujet de gloire. C'est-à-dire que ce n'est pas un titre qu'on m'a donné. Ce n'est pas une charge que les gens du monde m'ont donnée. Ce n'est pas un mérite. C'est ça le sujet de gloire. Ce n'est pas un mérite, mais c'est un don. Or, le titre est un sujet de gloire. C'est un mérite. C'est comme président de la République. Président, là, c'est un sujet de gloire. C'est un titre. Donc, à ne pas confondre, mes frères. Le don et le titre. Malheureusement, aujourd'hui, dans vos églises, voilà pourquoi on a toujours dit qu'il y a un désordre dans l'église. Il y a ceux qui ne sont pas appelés dans le ministère, ils s'autoproclament pasteurs. Vous vous autoproclamez évangéliste, vous vous autoproclamez. Est-ce que c'est le Seigneur qui t'a appelé? C'est là qu'on va parler des titres. Bon, vous venez là, oh non, moi je suis archibishop. Ça, ce sont des titres. Archibishop, c'est un titre. Ce n'est pas un don. Moi, je suis général. C'est un titre. Ça, ce sont des nominations de gloire. Oh non, moi, je suis archi-évêque. Archi là n'existe pas dans les cinq ministères. On n'a pas des archis. Quand vous mettez là archi, c'est ça qu'on appelle le titre. Le titre, c'est ça, une récompense de gloire. Je suis général, archi, bishop, archi. Je suis révérend. Révérend n'est pas un don, c'est un titre. Est-ce que vous voyez ça, mes frères? C'est ça qu'on appelle le titre. Donc, le titre, c'est un mérite. Tu mérites ça par rapport aux hommes de la terre pour avoir effectué quelque chose. On te donne ça. Une nomination, mérite, un honneur. C'est ça le titre, une récompense de gloire. C'est un titre général, révérend,
archi, ça ce sont des titres. Mais être apôtre, je parle des vrais apôtres, pas des faux, les vrais. Ceux qui sont appelés par le Seigneur, les vrais. Un vrai ministre de Dieu, il ne le reçoit pas ici sur la terre. C'est depuis l'éternité qu'il a reçu ce don-là, le don ministériel. Et en lui, ce n'est pas un titre, c'est un don. Donc, faut pas comparer les choses-là, les dons. Mais vous, aujourd'hui, vous venez là, non, je suis général. Mais donc, toi, tu es général. Mais donc, qui sont les sergents? Hein? Qui sont les lieutenants? Qui sont les capitaines? C'est bizarre, hein? Non, non, il est général. Maintenant, où est le caporal? Le caporal, c'est qui? Hein? Le sergent, c'est qui? C'est ça qu'on appelle les titres. Les choses que vous-même, vous avez inventées, qui ne sont même pas dans la sainte doctrine. Ça ne se trouve même pas là-bas dans la Bible. C'est vous-même qui inventez ces choses-là. Je suis général. Moi, je ne sais pas. Je suis lieutenant-colonel. Je suis major. Je suis maréchal. Ça ne correspond même pas à la doctrine de Christ. C'est ça les titres, les choses inventées là. Vous vous autoproclamez. Non, moi je suis maintenant docteur. Mais qui t'a dit que tu es docteur? Qui t'a dit que tu es docteur? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui a parlé? Oh non, je suis prophète. Vous venez même là, oh non, prophète intercontinental. Ah! Dans la Bible, on a seulement vu prophète des nations. Ça, c'était au temps de la loi. Prophète des nations, au temps de la loi. La nation d'Israël. Mais vous venez là, non, moi je suis le prophète intercontinental. Je suis le prophète global. Le prophète du globe terrestre. Moi je suis le prophète international. Vous inventez les choses. Oh non, moi je suis docteur international. Vous mettez des choses là-bas qui ne correspondent pas à l'évangile. Mais frère, à moins que ce soit seulement vous qui êtes dans le monde avec vos choses là inventées. Hein. Moi je parle ici des vrais serviteurs de Dieu. Les vrais. Ceux qui ont reçu le ministère depuis l'éternité. Moi je ne parle pas de ce qui se passe aujourd'hui maintenant. Ton père était pasteur, le père meurt. Toi si tu fais là, moi si je suis pasteur. Non, on ne t'a pas appelé. Qui t'a appelé? Ton papa était prophète, le papa est fatigué. Toi si tu fais là, je suis prophète. Est-ce qu'on t'a appelé? Qui t'a dit que tu es prophète? Voilà pourquoi aujourd'hui plusieurs personnes s'autoproclament. Hein, je suis apôtre. Qui t'a dit que tu es apôtre? Est-ce que c'est le Seigneur qui a parlé? Est-ce que c'est le Seigneur qui a dit que tu es apôtre? Est-ce que le Saint-Esprit a confirmé ton apostolat? C'est ce qui se passe maintenant aujourd'hui. Donc le corps du Christ, il y a un désordre exorbitant. Voilà pourquoi dans ces églises-là, pagaille à gogo. La pagaille à gogo, désordre. On veut là, on vous fait tomber. Tu tombes, tu te relèves. Tu tombes, tu te relèves. Voilà pourquoi dans vos églises là, vous pouvez rester là pendant 35 ans de service. Toujours bébé spirituel. Vous ne grandissez jamais. Jamais. Tu restes dans une église 40 ans. 45 ans dans une église, tu es toujours bébé spirituel. Toi qui viens à l'église plus de 10 ans, tu ne fais que tomber. Tu te lèves, tu tombes, tu te lèves, tu tombes, tu te lèves. Mais comment? Tu es judoka ou comment? Vous êtes des judoka? Hein, mes frères? Vous êtes des judoka ou des catcheurs? Vous êtes des catcheurs? Vous venez, vous tombez, vous vous levez. Vous tombez, vous... Mais pendant combien d'années? Si vous êtes dans cette église-là pendant plus de 15 ans, maintenant, tu as déjà tombé combien de fois? Vous tombez combien de fois? Ça, c'est l'onction du diable. L'onction satanique. L'onction de Dieu n'est pas comme ça. Mes frères, c'est soi-disant homme de Dieu là, qui faites tomber les gens dans vos églises. Mais il faut appeler les vrais chrétiens matures. Il faut appeler les chrétiens matures, ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Les chrétiens qui connaissent la parole et marchent avec l'esprit. Faites-les tomber. C'est alors que je dirais que vraiment, vous avez l'onction qui dépasse.
Vous avez une onction exorbitante. Il faut nous appeler et faites-nous tomber. Vous faites tomber, moi je ne sais pas. Ça sont des théâtres que vous faites là-bas. Mes frères, ça sont des théâtres. Appelez les vrais chrétiens. Si réellement vous faites tomber les gens, appelez les vrais chrétiens. Les chrétiens matures. Les chrétiens qui connaissent la parole et qui marchent avec le Saint-Esprit. Faites-les tomber. Faites-les tomber. Vous venez toujours là en train de faire tomber les pauvres mamans qui vendent au marché les légumes, les tomates. Hein? Qui circulent dans les rues avec les paniers de pain sur la tête. C'est elles qui tombent dans les églises. Et vous dites que j'ai l'onction de Dieu. Quelle onction? Ça, c'est pas l'onction de Dieu. Hein, mes frères, ça, c'est pas l'onction de Dieu. Vous venez dans l'église pour faire vos comédies. Vous êtes des comédiens spirituels. Ça, c'est la comédie. Donc, et vous, et lui de finesse, et Ngadia Dia, Jean-Michel Cancan, Gohou, tous ces comédiens-là, vous êtes pareils. Vous êtes pareils. Vous venez dans une église, mais enseignez la Bible. Enseignez la parole. Vous faites tomber les gens. Les gens tombent, s'élèvent. Les gens tombent, s'élèvent. Et demain, ils reviennent encore. Vous tombez, vous levez. Vous tombez, vous revenez encore. Mais finalement, qu'est-ce que vous apprenez là-bas? Mes frères, mais vous qui suivez les enseignements, vous qui avez des gens qui enseignent la Bible, mes frères, je l'ai toujours dit, soyez renouvelés. Soyez renouvelés. La vie spirituelle n'est pas du théâtre. Hein, mes frères? La vie spirituelle n'est pas de la comédie. C'est ta vie qui est en danger. Ta vie est en jeu. Si tu veux prier dans une église, vois d'abord le fruit du berger local. Qui est-il? Que prêche-t-il? Comment vit-il? Si tu vois que son comportement, ses fruits, ses enseignements ne correspondent pas à la saine doctrine, mais claque la porte! Claque la porte, tu es parti. Vous restez là pourquoi? Ou claquez la porte, vous êtes parti. Il ne faut pas rester là. Il faut claquer la porte, vous êtes parti. Mes frères, c'est la vie ou la mort. La victoire ou la perdition. Il ne faut jamais faire de la blague avec les choses pareilles. Dans une église, là où la doctrine de Christ, la marche des apôtres n'est pas respectée. Il faut quitter, mes frères. Quitter. Il ne faut pas rester là, il faut quitter. Il faut quitter, il ne faut pas rester là. Si les pratiques ne correspondent pas à la Bible, mais il faut sortir de là. Hmm? Soit disant, un pasteur arrive et vous vous agenouillez. Vous vous agenouillez parce que non, le pasteur est là, on doit s'agenouiller. Ça, c'est quelle doctrine? Un pasteur, un prophète, évangéliste, docteur, apôtre, sont des frères. Ce sont des frères dans le Seigneur. Ce sont des frères dans le Seigneur. Donc, faut pas rester là, tu commences à tromper. Non, c'est un frère. Nous avons tous un seul maître, le grand maître Jésus-Christ. C'est à lui que nous devons rendre les comptes. C'est à Christ que nous devons avoir les yeux fixés. Voilà pourquoi Moïse a élevé un serpent d'airain dans le désert. Il faut voir le serpent d'airain. Faut pas voir Moïse. Hein, frère? Il ne faut pas voir Moïse, non. Vois le serpent d'airain. Le mal avec vous, vous voyez Moïse. Oh, au lieu de regarder le serpent, mais vous, regardez Moïse. C'est ça le mal. Hein, mes frères? Donc, il faut sortir de toutes ces églises, de toutes ces assemblées infernales qui vous conduisent vers à l'égarement. Hein, mes frères? Il faut sortir de là.
Que le Seigneur vous aide, mes frères. Que le Seigneur vous renouvelle. Qu'il vous aide à voir les choses différemment. Prends en main, mes frères, ou prenez en main votre vie spirituelle. Il faut prendre ça en main. Regarde le serpent. Regarde le Seigneur. Hein, mes frères, il ne faut pas regarder les hommes. Je l'ai toujours dit. Il ne faut jamais se confier à une personne périssable. Il ne faut pas être fanatique d'un homme physique, périssable, faillible. Tu seras déçu un jour. Il va te décevoir un jour. Confie-toi à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel. L'Éternel est l'unique qui connaît les désirs de ton cœur. Il est l'unique. Confie-toi à lui. Il va te diriger. Tu es une brebis. Il est le berger. C'est à lui de te diriger. Hein, frère? Toi, tu es brebis, tu te confies encore à une brebis. Tous les hommes de Dieu sont des brebis. Dis Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui est le véritable berger. Le véritable pasteur. Nous sommes tous des brebis. Maintenant, toi qui es brebis, tu te confies encore à une brebis. Vous allez tomber dans la fosse. Confie-toi à l'Éternel. La brebis que Dieu a mis devant toi, c'est juste pour t'orienter avec l'aide du Seigneur. Mais ce n'est pas lui, le serpent. Toi, regarde le serpent. Ne regarde pas Moïse. Comment est-ce que tu regardes Moïse? Alors que Moïse lui-même a seulement mis le serpent. Regarde le serpent. Maintenant, toi, tu regardes Moïse. Mais il faudrait que le Seigneur vous aide. Hein? Le Seigneur vous aide afin que vous soyez renouvelés de la manière que vous puissiez quitter dans tous ces dojos des judo et des catch là que vous êtes. Vous puissiez connaître l'évangile. Vous puissiez avoir les yeux ouverts, les oreilles ouvertes, un cœur ouvert. Hein? Afin que vous ayez aussi part avec les saints. Que le Seigneur vous bénisse, vous garde, vous protège, vous fortifie, vous édifie, vous taille, vous renouvelle, afin que vous soyez encore fortifiés dans la foi chrétienne. Comme nous disons, et nous continuerons de vous répéter les mêmes choses. Maranatha, l'incomparable Seigneur Jésus-Christ, revient bientôt. Ciao. Des loups déguisés. Ce sont des loups déguisés, regardez. Il entre et puis tout le monde est à terre, tout le monde s'agenouille, donne, l'adore, comme s'il était Dieu. Ce n'est pas des pasteurs, sortez de ce genre d'église. Pourquoi on est aussi ignorant? Il faut les voir, les pasteurs d'aujourd'hui. C'est eux qui sont là et puis les gens les adorent, comme s'ils étaient. Regardez, ça c'est un pasteur qui arrive et puis tout le monde est allongé, tout le monde est à terre, on s'agenouille, comme si c'était Dieu. Les faux pasteurs comme ça. Regardez comment les gens se sont allongés. Tout le monde. On s'allonge. On l'adore. Mais comment on peut être aussi ignorant? Comment on peut être aussi ignorant? Quand la Bible dit que mon peuple périt par faute de connaissance, là, c'est ça. C'est ça qu'on voit là. On s'agenouille devant un pasteur, pourquoi? Il est qui? Il est Dieu? Mais sortez de ce genre d'église. Ce ne sont pas des pasteurs, ce sont des loups déguisés. Ce sont des loups déguisés, regardez. Il entre et puis tout le monde est à terre, tout le monde s'agenouille, on l'adore comme s'il était Dieu. Ce n'est pas des pasteurs, sortez de ce genre d'église. Pourquoi on est aussi ignorant? Il faut les voir, les pasteurs d'aujourd'hui. C'est eux qui sont là et puis les gens les adorent comme s'ils étaient. Regardez, ça c'est un pasteur.